Politique, on revient sur le deuxième tour des cantonales qui se prépare. Je vous rappelle que le Front national se maintient dans le département du Nord dans 17 sur 40 cantons, dont celui de Roubaix-Est. Le socialiste Mehdi Masrour est arrivé en tête avec 36% des voix. Dimanche prochain, il affrontera le frontiste Kevin Soury qui le talonne. Il a obtenu près de 34% des voix. Un très bon score malgré une abstention très forte. C'est le premier surpris par ces bons résultats du FN. C'est le candidat frontiste lui-même. Il avoue avoir profité de l'effet Marine Le Pen. On écoute Kevin Sauré au micro de Frédéric Regnault. On s'attendait à un bon résultat dans ce canton, mais à ce point-là, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et je pense que c'est un ras-le-bol de tous les Français qui s'expriment sur leurs élites PS locales et national, l'UMP. On a voté pour moi aussi, puisque automatiquement, il y a eu aussi un changement en interne au Front National. On n'a plus. J'ai pas de clivage gauche-droite, je représente vraiment les Français d'abord. Pour moi, c'est vraiment un vote patriote et un vote français où les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas écoutés et c'est un vote de ras-le-bol.